Salut à tous, c'est Raven2800 pour cette deuxième partie de Demon's Souls. Cette fois, je vais prendre ma revanche sur ce palais, enfin ce château plutôt. On va reprendre notre revanche et cette fois, on va pas faire de conneries. Merde. Enfin si, là on en fait, mais c'est pas grave. Des bouillards ! Mange ! Voilà. Allez, on continue. Parce que j'étais habitué à hier soir, j'avais rejoué avec un vieux perso et bon, on va dire que j'avais fini ce niveau et que je pouvais me permettre de rusher. Hein. Là, non, pas vraiment. Donc on va attendre qu'il y ait... Hop là, bouillard ! Bon alors les ennemis nous attaquent extrêmement lentement. Hein. Ça, c'est sûr que faut pas les brusquer. Mais tant mieux. Ça me permet de faire des contre-attaques absolument magnifiques. Là, bon, les corbeaux qui dévorent. Le cheval. Ah oui, alors là, il y a deux ennemis. Ah oui, vous avez été nombreux à me demander la suite de ce jeu. Voilà. Et ça m'a fait vraiment super plaisir. Hein. Franchement, continuez d'être aussi actifs dans les commentaires, ça me fait vraiment plaisir. Parce que je me suis dit, Demon's Souls, les gens vont peut-être pas forcément aimer. Hein. Bon, c'est un vieux jeu, hein. Il date de 2010, je crois. Et bouillah! Oh oui, il peut pas m'attaquer pendant que je suis en mode... Aïe, aïe, aïe. Aïe, voilà. Aïe, 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 aïe. Voilà, on va se casser. Il faut pas que j'essaie de brusquer les choses. Il faut que j'y aille tout doucement. Voilà. Alors toi, on va se défendre. Allez, vas-y, attaque. Voilà, à moi. Voilà. Oh, mais les premiers ennemis sont nuls. Hein. Ça, c'est vrai que... Ouais, je suis en difficulté. Ouais, on s'en fout. Donc il faut que j'ouvre cette porte. Que je passe par là-bas. On va déjà essayer de tuer cet ennemi qui m'a pas l'air très costaud. Allez, viens. Oh zut, tu t'es manqué à moi. Merde, je ne l'ai pas fini. Voilà. Heureusement qu'il y a quand même une bonne portée avec cette arme. Alors. On va continuer par là. Vu que de toute façon, j'ai pas vraiment le choix. Hein. Voilà. Allez, crève. Donc. Là c'est un peu une rediff de ce que vous avez déjà vu. Bim, voilà ta flèche. Alors en fait, il y en a qui m'avaient demandé parce que j'avais fait un live. Voilà, qu'est-ce qui m'arrive si jamais je tombe là-dedans? Bah c'est tout simple, hein, comme eux, bah je meurs quoi. Je meurs comme une merde. Allez, reviens. Ne fuis pas. Booyah! Voilà, en fait on peut les avoir aussi dans le dos. Les avoir dans le dos, mais bon, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est quand même pas évident. Et là, comme vous avez pu le constater, j'ai perdu toutes les âmes, c'est-à-dire bah, tout ce que j'ai en fait. Attention, il y en a un qui est là. Là, tac. Donc, tout ce que j'avais accumulé, tout ce que j'avais gagné de l'initiation et du début du niveau 1, j'ai tout perdu. Absolument tout. Ouais. Là, je fonce un peu comme un bourrin, je suis désolé, mais c'est parce que vous l'avez déjà vu et j'ai pas envie de traîner en longueur. Hein, voilà. Juste vraiment pour ça. Et parce que je me suis trop habitué à mon ancien personnage qui est bien plus puissant que celui-là en niveau d'âme. Donc en gros je défonce plus rapidement les ennemis, j'ai des armes plus puissantes, etc, etc. Je vous montrerai tout ce qui est forgeron et tout ça peut-être un peu plus tard, on verra. Yatta. Oh là, oh là, oh là. Oh là, j'ai tué ton pote. Alors qu'est-ce que tu vas faire? M'attaquer? Oh là là, mais donc, mais que c'était bien tenté. Dommage, t'es mort. Toujours quand vous êtes comme ça, là, dans un couloir ou quoi, toujours avoir le bouclier, ça peut être très utile, hein, ça peut vous sauver la vie. Alors là-bas, il n'y a plus rien, j'y suis déjà allé, donc on va remonter. Je pense que là, vous vous rappelez un peu de... Hop. De ce qui va se passer un peu plus loin, hein, ce boulet de canon qui m'a tout simplement défoncé. Alors, on avance, on avance. Oula, oula, oula. Alors lui... Alors en fait, oui, j'avais dit, je m'étais trompé. C'était, je sais, enfin, que c'était un. Attendez, je vais regarder là. Voilà, des bombes incendiaires. En fait, il y a des bombes incendiaires. Et il y a de là ce qu'on appelle de la térébenthine. C'est comme de l'essence en fait à laquelle vous allez mettre le feu et qui sera sur votre arme. Voilà. Pour essayer d'expliquer les choses clairement. Parce que moi j'avais dit, tu mets des bombes incendiaires sur ton épée. Non, non. Voilà, je tenais à corriger cette petite erreur de ma part. Donc. Les ennemis là ont tous les épées en feu. Et là vous allez me dire, mais pourquoi tu mets pas ton épée en feu? Parce que déjà je ne crois pas avoir de la térébenthine sur moi. Et aïe.
Et de 2 parce que c'est un effet extrêmement limité, hein, ça dure pas très très longtemps. Et merde! Voilà. Bon, c'était le fail, hein. Bon bah voilà, j'ai foncé comme un crétin, putain. J'ai foncé comme un crétin. Il faut que je me concentre. Allez, voilà, bon j'ai reperdu encore, hein, encore une fois, hein, toutes les âmes que j'avais perdues. Bah ça me fait plaisir, hein, oui bien sûr, hein, j'avais que 200 âmes. Sachant que je ne sais pas comment ça se passe quand on perd plusieurs fois. Parce que je ne pense pas qu'il y ait plusieurs taches de sang dans le niveau, hein. Donc je pense que toutes les âmes qu'il y avait avant sont perdues définitivement. Et que maintenant, je me bats pour récupérer 200 minables âmes, hein. Voilà, il me semble que c'est comme ça. Mais ce n'est pas grave, ça je farmerai hors vidéo, hein. Je referai ce niveau plusieurs fois pour essayer d'avoir un maximum d'âmes qui vont me permettre évidemment d'avoir accès à plein d'armes plus tard chez le forgeron. Voilà. Hop. Ah putain, tu sors d'où toi? Voilà. J'ai récupéré des herbes de croissant de lune, tout ça. Alors, cette fois on va essayer d'y aller vraiment doucement, hein. Donc cette fois pas de conneries, hein, 7 minutes de perdu, enfin un peu moins, peut-être plus 4 minutes je crois, parce que j'avais commencé un peu tard la vidéo. Voilà. Hop là. Ah mais putain, mais arrêtez de... Ah d'accord, j'ai oublié deux personnes carrément. Voilà. C'est pardonné. Encore herbe du croissant de lune, voilà. Alors il y a encore deux ennemis par là. Il y a un ennemi qui va arriver plus tard là-bas. Ah non, il y a qu'un ennemi. Voilà. Alors maintenant on avance. Là il n'y a pas d'ennemis, c'est tout bon. Là, allez viens. Nya. Voilà. Putain, en plus c'est dommage. Parce que là je sais pas du tout ce qui va se passer honnêtement. Je pense pas qu'il y ait 50 taches de sang dans le niveau, hein. Je pense que les âmes d'avant, la première fois que j'ai perdu, c'est-à-dire dans ma première vidéo avec le boulet de canon ou je ne sais quoi là, bah c'est vraiment perdu, définitivement. Définitivement perdu. Voilà, fonce-moi dessus. Voilà, les ennemis sont un peu crétins, vous inquiétez pas, c'est normal. Il faut bien qu'il y ait un minimum de facilité quand même dans ce jeu. Voilà. Est-ce que tu es mort? Oui, et en plus tu me lâches un objet. Lotus du soldat. Je sais pas, je me souviens plus exactement à quoi servent tous ces objets, hein. Je me rappelle plus. Hop, là il y a un ennemi. Voilà, allez bien. Maintenant c'est à moi. Hop. Voilà. Non mais ça c'est les premiers ennemis, hein, vous inquiétez pas. Ceux d'après ils sont bien plus forts. Ouais, alors lui il a carrément foncé comme un couillon je ne sais où. Encore des herbes de croissant de lune. Et ça faut les collectionner. Ça c'est vraiment le truc qui va vous aider à mort dans votre quête, hein. C'est comme les potions de soins dans Skyrim, hein, si vous voulez. C'est vraiment... Voilà. Bah, la preuve, c'est que j'en avais 100 avec mon autre personnage, que je fais en live en général avec. J'en avais 100. J'ai fait le niveau 2. Je suis arrivé peut-être à un quart du tiers du niveau 2. Et comment dire, et j'en ai consommé 20, quoi. Voilà, allez, venez. Voilà, fini. Oh, les deux m'ont lâché un objet. Voilà. Sachant qu'avec ce personnage, en fait, j'ai moins de chance. Chance, c'est-à-dire que... comment je pourrais dire? C'est la faculté à trouver des objets de valeur ou des objets tout simplement sur des ennemis. Vous voyez ce que j'aime pas? C'est qu'il y a certaines attaques, vous avez beau vous protéger... oh putain, il m'a lâché un item. Vous avez beau vous protéger... Voilà. Putain, là, il me lâche quand même pas mal d'items, hein, ces ennemis, hein. Ça fait plaisir. Donc vous avez beau vous protéger, vous prenez quand même des dégâts. Et ça, c'est super énervant, quoi. C'est vraiment énervant. On va essayer de récupérer notre tache de sang. Putain, mais j'espère qu'on peut récupérer plusieurs taches de sang parce que ça va m'énerver. J'avais quand même plus de 1000 âmes, hein, il me semble. Hein. Je sais plus, hein, très honnêtement, je sais plus. J'avais quand même pas mal de... Voilà, allez, balance-moi ta bombe, voilà, que je prenne mes dégâts. Et j'arrive. Voilà. Encore? Allez, encore des herbes. Alors ça me fait vraiment plaisir. On va arriver là où je suis mort, donc on va courir un peu. Voilà. Ouah! Non, non, non! Ah! Ce fils de pute! Putain, mais cours! Cours! Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là! Bon! Je sais pas d'où est-ce qu'il me tire ça, ce connard, mais. Ah, mais il est juste en haut! En fait, il est juste en haut! Donc, ce qu'on va faire. Parce que je ne pense pas crever d'un coup avec ça. On va prendre du risque. Voilà.
J'ai retrouvé mon âme. J'ai donc retrouvé normalement, hein, je vérifie quand même. Hein. Ouais, ça c'est une tâche de sang d'un autre joueur. Donc voilà, j'ai retrouvé mon âme. Je pensais que j'allais récupérer de la vie ou quoi. Non, non, je récupère juste les... Bah, les âmes que j'avais récupérées avant. Normalement, hein, j'ai pas vérifié là. Ouah, voilà. Fumier. Donc on va pas prendre de risque là. Je vais consommer deux herbes. Non, même pas, une seule ça me suffit tellement j'ai pas de vie. Voilà. Donc c'est parti, allez, viens te battre. Viens, viens te... Battre! Booyah! Yeah! Voilà! Pas d'item, dommage. Toi peut-être? Oh putain, vas-y! Voilà, allez, de la vie perdue! Voilà, est-ce que tu es mort? Non, bien sûr. Donc, ça veut dire qu'il va revenir, donc c'est pas grave, hein, parce que de toute façon, je voulais aller là pour trouver une épée de merde, une épée bâtard! Voilà. Allez, voilà, on casse les objets. En fait, j'aurais pu aller directement ici. Je croyais que c'était complètement bloqué, mais non, non. Alors, on va essayer de regarder s'il n'y a pas le boulet de canon, voir s'il n'y a pas notre âme quelque part, mais je suppose que non, hein, sinon je pense que je l'aurais déjà trouvé. Donc attendez, ici, je suis déjà allé. Ouais, donc apparemment, notre âme a vraiment disparu, donc j'ai vraiment perdu les âmes que j'avais accumulées avant. En fait, c'est vraiment pas de seconde chance. Tu meurs une fois, et voilà. Eh bien, tant pis, je farmerai hors vidéo les palettes Boletaria. Si le besoin s'en fait sentir. Vous savez, pour grapper quelques items, etc., etc. Alors ici, vous ne connaissez plus. Là, nous arrivons en territoire vraiment inconnu pour vous. Enfin, pour ceux qui n'ont pas fait le jeu, bien sûr. Alors. Donc celui-là me lance des flèches, un archer, tout ce qui est plus bête. Voilà. Oh là là, oh là là, mais il recharge bien vite. Non, c'est bon. Yeah, voilà. Tu es mort, l'ami. Alors, il y a encore des archers là-bas. Hop, on va essayer d'y aller tout doucement. On va essayer d'y aller tout doucement. Pour aller. Voilà. Alors, eux, ils sont trop relous. Aïe. Voilà pourquoi je dis qu'ils sont trop relous. En fait, ils vous attaquent, si vous voulez, à l'infini. Ils vous donnent des petits coups de merde. Avec leur lance. Et attendez. Lui, il va me lancer des flèches. Toi, je te sens mal, l'ami. Je te sens très très mal. Voilà. Allez. C'est bon. Allez, j'attaque. Voilà, voilà, voilà. Hop là, herbe de 2000 lunes. Ça remet plus de vie, hein, tout simplement, mais bon. Croissant de lune, ça me suffit bien. Alors là-bas, vous avez un ennemi extrêmement costaud avec une âme de guerrier inconnu ou je ne sais quoi ce qu'il y a là-bas. Un objet, un trésor, comme on pourrait l'appeler. Et je ne vais pas y aller tout de suite, tout simplement parce que il faut avoir un peu plus de level quand même pour l'affronter. Hein. Bah, déjà que mon autre personnage, j'avais fait en live, j'avais essayé de l'affronter. Bon, j'ai perdu. Mais si vous voulez, en une contre-attaque, ça n'a pas suffi. Une contre-attaque n'a pas suffi. Hop, on va pas prendre de risque. Une contre-attaque, hein, avec R2, n'a pas suffi à le battre d'un coup. Il fallait le faire deux fois. Mais bon, vous n'avez pas le temps de le faire deux fois. Hein, après, il vous défonce, hein, tout ça. Putain! Putain, je voulais faire une contre-attaque, mais qu'est-ce que tu veux? Ah! Ah! Putain, ils sont vraiment chiants, ces mecs. Voilà. Allez. Oh oui. Booyah. Voilà. Ah bah heureusement que tu me lâches un item. Putain, il m'aurait pas lâché d'item, j'aurais été vraiment défait. Faites un pas en avant. Non, c'est bon, ça ira. Ça ira, j'ai pas envie de crever. J'ai pas envie de crever, hein. Alors. On va aller par là-bas. On va aller par là-bas tout simplement pour voir s'il n'y a pas un levier activé, hein. Ouais. Et puis on retournera. Je sais pas si vous avez vu. On va y retourner vite fait. Voilà, regardez. Là-bas, il y a une espèce d'aura ou je ne sais quoi. Un manteau de je sais pas quoi, fantomatique. Et on va y aller un peu plus tard. On va y aller un peu plus tard. D'abord, on va juste redescendre pour activer la porte. D'ailleurs, il y a des ennemis assez chiants. Voilà. Ils sont totalement stupides. Mais en fait, c'était surtout pour nous initier à ces espèces de barils explosifs. Hein. C'est pas, je veux dire, la connerie de l'IA, enfin si un peu, mais c'est aussi pour nous initier à ces barils explosifs que l'on peut utiliser en balançant des bombes incendiaires dessus. Mais moi je ne vais pas le faire. Je vais garder toutes mes bombes incendiaires que j'ai accumulées pour justement... alors attendez, là il y a... Je sais pas si ça sert à quelque chose, hein, mais... Hop, voilà. Il y a rien de spécial ici, donc ça sert à rien que je pète ces chaînes. Mais bon, je vais quand même le faire. Allez, on va le faire. Hop, voilà. J'avais envie. Donc ces bombes incendiaires, je vais les garder
pour faire le boss un peu plus tard. Voilà, le boss qui va être absolument chiant, mais qui n'est pas très dur, hein. Enfin, il est chiant mais pas dur. Je sais pas si vous voyez la distinction que je fais entre ces deux mots. Mais vous verrez plus tard le boss à quoi il ressemble. Il est... Non, non, ça va, il est pas cheat, il est pas cheat. Hop. Voilà. Je vais récupérer un peu de je ne sais pas comment on peut appeler cette jauge verte. Voilà. Ah, un item, merci. Ah putain, enculé. Voilà. Hop là, herbe du croissant de lune, merci. Comme ça je retrouve mes 30 herbes du croissant de lune. Ouais, je suis en difficulté. Alors, et là on arrive à un petit levier. On va tirer dessus. Alors normalement, voilà. Et ça nous ouvre la porte. Et là vous allez me dire, ah, et une bague collante que on va pas tarder, que on va mettre tout de suite d'ailleurs dans nos équipements. Je sais même plus à quoi elle sert cette bague, mais on va la mettre. Ah voilà, perte de PV réduite sous forme d'âme. Voilà. En gros, je vais prendre un peu moins de dégâts et ça va me faire bien plaisir. Ok. Et là apparemment j'ai trouvé plein de choses. Colis. Oh yeah. Alors là franchement je suis refait d'avoir pu trouver ces choses. Je ne sais pas si je les avais trouvées avant. En tout cas ça fait vraiment plaisir. Et donc là vous voyez on est revenu ici. Au point de départ vous allez me dire oui mais non. Puisqu'on a quand même activé la porte qui était là. Voilà. Donc maintenant vu que j'ai plus trop de vie et que j'ai découvert pas mal d'objets, on va retourner au Nexus. On va retourner au Nexus pour pour aller voir un peu le forgeron, tout ça, la boutique, voilà. On va retourner un peu voir ça, mais bon. Même si dans ce jeu, les marchands n'ont absolument rien de spécial. Je veux dire, dans un Skyrim, vous économisez beaucoup. Et en général, vous trouvez la plupart des objets, on va dire, en dehors. Vous savez, en les trouvant sur des ennemis, hein, tout simplement. Mais là, non, c'est pas le cas. Là, c'est vraiment, vous trouvez tous les objets ailleurs. Les forgerons n'ont rien. Les forgerons n'ont vraiment rien à vous donner, hein. C'est un peu des... Mais bon, on va quand même voir, attendez. Attaquer, non, je ne vais pas attaquer ce pauvre forgeron. Voilà, forgeron. Vos âmes me permettront de gagner ma vie, voilà, tatata. En gros, il te dit que les âmes, c'est vraiment la monnaie d'échange. Donc là, je peux améliorer mes armes. Déjà, attendez, avant de lui donner quoi que ce soit. Voilà, en gros, il dit qu'en gros, si tu lui achètes rien, tu vas pas faire long feu ici, ce qui est assez vrai. Donc là, apparemment, qu'est-ce que j'ai en truc? Alors, attendez, j'ai un brise-armure qui apparemment est meilleur que l'écu que j'ai. Donc, on va l'utiliser. Voilà. Non, attendez, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je ne comprends pas. Ah non, d'accord, en fait, c'était un... Je sais pas, c'est bizarre. Non, en fait, attendez. Pourquoi est-ce que quand je vais là, on dirait que c'est... C'est bizarre comme truc. Non, en fait, c'est une épée, c'est pas... Voilà. Donc, à part... Alors, attendez. Là, j'ai épée longue. Là, donc 21. Waouh. Alors, moi, j'ai 86 de dégâts avec cette épée. Une épée brisée, donc elle n'a plus aucune valeur. Épée bâtarde, pareil. Et j'ai un brise armure, mais bon. Pas extrêmement puissant. Et voilà. Ah, en fait, regardez. Ça vous met toutes les armes qui vous restent, que vous ne voyez pas. Regardez, le brise armure, là. Avec l'écu dans la même image, en fait. Ça vous met tout dans la même image. Ouais, c'est un peu moche, d'ailleurs. C'est pour ça qu'en fait, je croyais que c'était, il y avait un autre bouclier. Donc, pour l'instant, en fait, j'ai pas d'équipement meilleur. Je vais quand même garder le brise armure ici. Attendez, parce que oui, je vais donc là, regardez. En fait, j'ai deux épées, hop, et je peux intervertir avec les flèches directionnelles. Voilà, et puis hop là, et ça me change un peu mes techniques d'attaque. Voilà pour les équipements. Alors là, maintenant, j'ai trouvé peut-être des choses. Voilà, j'ai trouvé un haillon. Apparemment, je peux pas m'en servir. Pourquoi? Je ne peux pas le mettre. Je sais pas pourquoi. Là honnêtement je ne sais pas pourquoi je ne peux pas mettre ce haillon, ces gants en charpie. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que je me souviens pas de ces objets. Peut-être parce que j'ai dû les vendre en fait, tout simplement. Un objet à équiper, donc là ça doit être pour je sais pas quoi. Il y a plein de choses qui m'échappent hein, dans ce jeu, je suis vraiment désolé.
Alors là, c'est mon statut, hein, comme je vous avais dit. Donc j'ai presque 10 de partout, sauf en chance. Et avec le chevalier, la classe du chevalier. Sauf que j'ai un niveau d'âme de 4, alors que tous les autres avaient un niveau d'âme de 6, au moins. Voilà, c'était la petite différence. Et là, les tendances du monde, je comprends pas bien, mais en gros, c'est tous les niveaux que je peux faire. Voilà. Et apparemment, le sanctuaire des tempêtes, il y a un petit truc en plus dessus, je sais pas, c'est bizarre. Et donc le système qui me permet de quitter la partie, tout ça, tout ça. Donc on va retourner voir ce forgeron. Voilà, il me dit toujours la même chose, hein, vous inquiétez pas, c'est normal. Donc je peux réparer mon équipement. Est-ce que j'ai besoin de le réparer? Non, je pense pas, c'est pas cassé en soi. Je peux améliorer les armes que j'ai déjà, donc par exemple l'épée longue. Et il me faut des éclats de pierre dure pour ça, donc pour l'instant je ne peux pas le faire. Des éclats de pierre dure que je devrais évidemment trouver, hein, quelque part dans le jeu. Donc on va acheter, voir ce qu'il a un peu à l'achat. Des épices, redonne quelques PM, pierre à aiguiser de aide. Je peux pas en acheter parce qu'il me faut 2000 âmes pour de la... Oui, 2000 âmes pour une pierre. Pour une pierre à aiguiser. Et je peux pas acheter grand chose apparemment. Il y a des dagues. Des dagues. Une épée courte, une hache et un pavois. 2000 âmes, voilà. Vous voyez un peu les prix. Hein. Flèche, projectile. Voilà. Bref, il y a plein de choses que je peux pas encore faire. Alors attendez. Alors lui, c'est le magasinier. C'est en gros l'homme qui va me permettre de... En gros, il nous dit qu'il a tout perdu, sa femme, ses gosses et tout, et qu'il est là à rien foutre parce qu'il peut pas aller affronter les mecs. Il sait que c'est aller à l'abattoir. Donc là, en fait, il va nous aider à... C'est notre coffre. Voilà, c'est notre coffre fort, hein, tout simplement. Qui va nous permettre de déposer tout ce qu'on veut chez lui. Donc par exemple, je pense déposer le haillon. L'armure à jouer, bah ça évidemment je vais la garder. Les gants Sharpie et vieille botte. Voilà, on va déposer ses équipements. Comme ça, si jamais j'oublie que j'ai ça, vous pourriez me dire hey, t'as oublié tes équipements que tu peux revendre, tout ça. Voilà. Je vais aussi vendre mon épée bâtarde et mon épée brisée. Enfin, le placer là-dedans. Et voilà. Et le lotus, c'est quoi? Soigne l'empoisonnement. Ah oui, parce qu'il y a aussi de l'empoisonnement, bien sûr. Les saignements, voilà. Rest assured, your goods are safe and sound with me. Et au cas où vous n'avez pas remarqué, ma vie s'est régénérée. C'est pour ça que j'ai dit je vais pas prendre de risques. Puisque maintenant, vous allez voir, ça va être sympa. Voilà. Donc, désolé si je parle beaucoup, hein, mais c'est normal, j'essaie de vous expliquer le jeu, puisque je risque pas d'aller bien plus loin que le palais de Boletaria en guise de gameplay, puisque je suis vraiment une quiche, vraiment à ce jeu, hein, vraiment. Hop là. Après, s'il y a des pros de RPG ou quoi, bon après je sais qu'il y a le guide vidéo de KSL sur Dailymotion que je regarderai peut-être pour... Parce que j'aimerais bien essayer de le finir, hein, très honnêtement, mais c'est pas que je veux pas, c'est que je peux pas, c'est que je suis vraiment trop nul. Mais bon. Hors vidéo, je vais faire le palais de Boletaria à un nombre incalculable de fois pour essayer de monter mon niveau d'âme, etc., etc. Mais vous inquiétez pas, puisque on va dire, je vais essayer de vous montrer l'aventure en vidéo, mais je vais pas vous montrer vraiment un let's play genre faire le palais de Boletaria 100 fois pour tuer les mêmes ennemis, quoi. C'est totalement inutile, hein. C'est vraiment inutile. Vous voyez, regardez, là je trouve des herbes de croissant de lune. Hein. Oh oui, stoppé en plein élan. Taste the booyah, bitches! Ouais, mais il y a un boss là-bas qui va taste the booyah soon or later! Yeah! Alors, voilà, et maintenant c'est à moi. Et ils sont morts. Bon, il me lâche aucun objet, dommage. Allez, viens! Oh! Ah merde, non! Merde! Ça, c'est un truc que j'aime pas. Des fois, ils vous attaquent et ensuite ils vous font 50 millions de petites attaques de merde. Ça, c'est relou. Et regardez, la porte est toujours ouverte. Ça, c'est un petit truc sympa du jeu. C'est que même si t'as pas battu le boss, donc t'as pas... Parce que quand on bat le boss, vous débloquez l'archi-pierre du boss. Donc après, vous pouvez directement vous re-téléporter un peu plus loin dans le niveau. Mais bon, tout ce que vous avez ouvert, comme passage secret entre guillemets, dans le jeu, reste ouvert. Donc là, vous voyez, je peux revenir ici. Ça, la petite astuce que je voulais vous montrer. Hop là, allez, venez. Non, bon, bah, hop. Allez, on va attaquer. Ok, alors toi, t'as fait un peu le foufou, toi. Et bim! Voilà. Herbe du croissant de lune.
Oh oui, oh oui, et là tu peux pas m'avoir. Et non, je suis en bas. Voilà, voilà, t'es mort. Je crois qu'il y avait d'autres ennemis qui avaient un truc, non? Non, plus personne a autre chose à me, à me donner. Bon, c'est pas grave. Voilà, donc là il y a encore d'autres ennemis, je crois, beaucoup plus haut. Si je me rappelle bien. Ah oui, ah, ouh, bah tiens, il va crever. Ah bah non. Voilà, tu vas crever tout seul, amigo. Alors là, je pense qu'il est mort tout seul, on va quand même vérifier. Ouais, il est mort tout seul, hein. Et il ne m'a pas lâché d'item, apparemment. Parce que, bon, évidemment, à chaque cadavre a un petit truc en surbrillance. Je pense que ça, vous avez compris le principe. Donc, essayons de choper plein de choses pour essayer. Parce que, évidemment, après le palais de Boletaria, moi, en fait, j'avais tendance à garder mes... Donc là, il n'y a pas de... Il n'y a rien du tout ici. Si, si j'ai loupé un trésor, dites-le moi, hein, ceux qui connaissent le jeu. Voilà. Essayez de m'aider le plus possible, parce que sinon, bah vous risquez pas de voir d'autres parties du jeu, quoi. De sitôt. Bim! Voilà, toi t'es mort. On va aller... Oh, je suis obligé de redescendre, hein, je suis vraiment désolé, mais... Voir s'il m'a pas lâché un item. Ah bah, il est même pas mort. Et donc, il est costaud, hein, le petit. On va aller lui dire coucou. Coucou! Voilà. Bon, et ben non, pas d'item non plus. Putain, y'a personne qui me lâche d'item, c'est un truc de fou ça. Alors, toucher la tache de sang, non c'est bon. Donc oui, les taches de sang c'est énervant un peu parce que vous pouvez vraiment perdre toutes les âmes pour de bon quoi. Ça m'écœure un peu parce que je sais pas combien d'âmes j'étais, mais je regarderai de toute façon ma vieille vidéo et ma première vidéo. Et je regarderai et voilà, je pourrais pleurer et m'asseoir vraiment sur le nombre d'âmes que j'avais auparavant, que j'ai vraiment perdu. Donc ici apparemment y'a rien. Je vérifie, hein, lui il n'a rien de spécial à me donner, hein, il n'y a rien en surbrillance. Alors, on va devoir se retaper, se refourguer ce connard là. Bon, bah c'est parti. Allez, voyons voir si tu vas taste de bouilla. Hop, voilà. Hop. Ah merde! Voilà, wow, il y avait une toute petite baisse de fesses, j'ai eu l'impression. Hop. Bim! Vous voyez comme c'est long à essayer de le... Ah bah, je crois que je l'ai eu, voilà. À essayer de le battre sans faire une attaque, entre guillemets, perforante ou quoi. C'est vraiment très très long. Donc on va rentrer dans ce brouillard. Et puis on va voir. On va voir ce que ça va donner. Allez, go! Ouais. Donc pour l'instant rien de méchant, hein. On va descendre par là. Ouh, une toute nouvelle zone s'offre à nous. Alors oui, je sais pas pourquoi quand on... Vous voyez là c'est clair, c'est net. Et là d'un coup c'est tout flouté quand on se rapproche trop. Je sais pas, petit défaut du jeu, je pense. Donc alors ça, c'est un truc de dégueulasse. Vous allez vite comprendre pourquoi. Et je pense me faire avoir. Ce qu'on va faire, attendez, est-ce que je peux reculer comme ça plusieurs fois? Apparemment oui. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le loquer. On va avancer. Ouais. Et hop, hop, ah, voilà. Ça c'est un piège que je connaissais, mais même n'importe quel noobie pouvait le voir. Mais bon, apparemment, vous voyez, toucher tache de sang. Je pense que lui n'a pas eu de... Voilà. Je pense qu'il est mort dans les flammes, hein. Ah, mais putain, j'ai vraiment du mal. En fait, avec les contre-esquives, et c'est vraiment pas pour énerver ceux qui, voilà, qui vont dire « Eh, t'es vraiment trop nul !» C'est que, je sais pas, appuyer pile à l'instant T sur une touche, moi, c'est vraiment un truc que j'arrive pas. Et là, vous voyez, mon niveau d'âme a légèrement augmenté puisque j'ai plus de vie en âme. J'ai un peu plus de vie, vous voyez. Donc là, on va utiliser la petite herbe de croissance de lune, on va pas trop non plus prendre de risques. Bon, apparemment, il y a quelqu'un qui... Oh, putain! Putain de chiasse! Hop. Voilà. Allez, viens, viens, viens. Voilà, j'ai buté ton putain de pote. Toi, tu vas pas tarder à avoir le même sort. Et yeah! Voilà. Voilà, on va reprendre encore une herbe. Voilà. Et c'est reparti. Et c'est reparti. Alors, je sais pas s'il y a eu un petit bug au niveau de l'HDPVR. J'ai pas eu de retour son pendant quelques secondes. Bon, j'espère qu'il n'y a pas eu de couilles comme ça. Bon, on verra. Ouais, parfois, je préfère m'inquiéter en pleine vidéo plutôt que vous ayez un marchand vous attend. Ouh, c'est trop bon ça.
Voilà. Et bon, on va aller voir ce marchand. Hein? Attendez. Lire message, d'accord. Donc apparemment ici il y a un marchand. Ha! Le marchand c'est un ennemi en fait. C'est pas mal. Good day to you. Care to look over my wares? Mostly stolen, but who's telling you? Ha! Il est énorme ce type. Bombe incendiaire, ta. Une épée longue. Est-ce qu'elle fait plus de dégâts que la mienne? Ça, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Une massue, lance, arbalète. Ouh, une arbalète. Tiens, ça m'aurait été presque utile, tu vois. Un bouclier en bois, bouclier de soldat, d'esclave. Putain, il vend des bonnes choses, lui, par contre. Hein. Et il vend aussi du matos, là. Ça, c'est vraiment bien. Putain, c'est vraiment excellent, hein, ce mec. Et alors, je ne me souviens plus, mais je crois qu'après, il disparaît une fois qu'on a battu le boss. Peut-être que je dis n'importe quoi, je ne me rappelle pas. Be a brave knight or depraved slave. The demons will snatch your soul, then you'll go mad. And those who dare cling to their humanity are hunted down. D'accord. It is the end of Great Boletaria as we know it. But hell, at least the demons don't send us to our deaths in battle. C'est toujours cette prière. Oh là là. Bon écoutez, ça fait un petit moment que je fais cette vidéo. Je suis en train de regarder hein. Donc un peu plus de 30 minutes. Donc je pense qu'on va s'arrêter là pour cette première, enfin cette seconde partie du palais de Boletaria. Je suis désolé pour le fail du début hein. Vous voyez, ça vous a fait perdre un peu de temps. Mais là après il y a encore toute une immense zone à découvrir. Et il vaut mieux la faire un peu plus tard. Et puis là comme ça je pourrais vous dire comme ça hors vidéo après donc cette petite vidéo, je vais acheter du matos à ce type. Enfin, voir si vraiment c'est gagnant ou pas que j'achète du matos à ce mec-là. Puisque comme je vous ai dit, moi, il me semble qu'après, il a disparu. Et ce serait dommage de voir tous ces beaux objets disparaître. Donc voilà. Et puis, à la limite, si j'ai pas assez d'âmes, là, vous voyez que j'ai que 1500 âmes. Eh ben, je redropperai, j'essaierai de repartir du palais, de re-revenir et ainsi de suite, revoir ce marchand plusieurs fois. Voilà. Bah écoutez, les amis, je vous dis à très bientôt pour la suite de Demon's Souls. Et je vais essayer de faire en sorte de revenir ici. Voilà, je me souviendrai pour la prochaine partie de revenir ici pour vraiment revenir pile, voilà, pour pas que vous soyez trop chamboulé par le changement de partie. Allez, à très bientôt tout le monde, salut! There's this skinny fella, clad in fabulous armor, who's always mumbling about some mission. He's another one who's managed to stay sane like yourself. Probably some pampered son by the looks of his attire. I'd give an arm just for the buttons off his shirt.